Bonjour à tous et à toutes, je suis Alus et bienvenue pour la suite de Neverwinter Nights. La dernière fois, la petite session d'une demi-heure avec le micro qui était dégueulasse, je m'en excuse. Mais maintenant, j'ai trouvé la solution. En effet, c'est juste que j'avais mal programmé l'entrée micro qui était par défaut sur celui de l'ordi au lieu de celui du micro, mais maintenant c'est réglé. On va faire vite. Donc la dernière fois, donc la petite session que j'ai enregistrée à une semaine d'intervalle, nous rendions donc à Luskan, la ville où on devait rentrer par un intermède de d'Arileth, sauf que nous sommes donc passés au nord, traversé une petite forêt, une petite carrière. Et nous sommes arrêtés à l'auberge du dragon volant, du dragon vert, je ne sais plus. Et nous avons appris l'existence de jeu. Mais avant, on a récupéré la dernière pierre pour une petite quête que je validerai avant de continuer à le scan. Dans le cas où, après la quête de le scan, on soit directement TP à la partie finale du chapitre 2. Ce que je ne voudrais pas. Et donc, nous devons ensuite payer nos 500 boules. Oui, c'est 500 pièces d'or. Pour participer à ces jeux. Maître du jeu, où te trouves-tu? Est-ce que c'est toi? Oui, je suis prêt. Voilà ta thune. Et c'est parti, nous sommes seuls, techniquement. Donc Dindin ne doit pas être avec nous. Très bien. Donc le but du jeu. Voilà, la route du nord, nous allons lire ça. Alors, Dindin, Mutani. Jaro a expliqué les règles puis lancé la course. Les groupes d'aventuriers en compétition doivent courir le long de chemins parallèles remplis de monstres, de pièges et de trésors. À la fin du donjon, on leur propose une énigme. Le premier groupe qui résout l'énigme sera nommé vainqueur. Très bien. Donc d'après ce que je vois, il y a effectivement pas mal de couloirs. Je pense que... Ah, on attaque. Ah, oh, des araignées sabres. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Donc effectivement. Oula, mais il y a des bébêtes, il y a même un Eltar Cap. Eltar Cap, c'est de la grosse saloperie comme monstre. Ainsi que cette merde d'Eltar Cap qui peut, comme vous le voyez, car ça a affecté d'Alain, empoisonner, provoquer des maladies, etc. Ce qui fait que je suis à ma dernière trousse de soins plus 1. Profondeur du donjon. Alors, je pense que le fait que le premier qui arrive l'ait gagné, c'est une grosse connerie. Du coup, ce que je vais faire, c'est... putain, où est-ce que j'ai foutu, grosse question. Mes soins. Mes kits de soins, je sais que je les ai mis quelque part. Peut-être ici. Oui, je les ai mis là. Ah, il m'en reste vraiment qu'un seul. Donc du coup, je vais utiliser un kit plus 3 sur Dalin. Bon, qui n'a pas récupéré de la maladie. Donc du coup, on va en... Ah, parfait. Poison, réduction secondaire de caractéristiques, parfait. Techniquement, il n'est plus empoisonné. Il n'est plus empoisonné. On peut sauvegarder. Donc c'est peut-être ça. Je vais pas faire toutes les salles de ce donjon. Hein. Donc là, j'ai profondeur du donjon. Je vais faire le chemin qu'on m'a indiqué. Voilà. 18 pièces d'or, c'est incroyable, c'est beau. Un premier cadavre. Ouais. Il n'a pas réussi. Alors, je pense que ça va être piégé. Ce pont m'a l'air piégeux. L'entrée du pont m'a l'air piégeux. Ceci m'a l'air totalement piégeux. Oh, regardez. Pépètement. Ah là là. Alors, par contre, attends. Voilà. Oula. Mais c'est une reine araignée. Mais oui. 80 points d'armure, mon gars. 80 points d'armure. Je pense que l'on est sur... On est sur de la merde. Ah, il en suit le point d'armure. Parfait, ça va aller vite. Là, sa défense est baissée. Sa défense a pété. Parfait. La grosse armure.
Je pense que ça va être comme ça pour tous les monstres maintenant à la fin de chaque étage, s'il y a plusieurs étages. Ce qui serait salaud. Ah, pour l'instant, je me prends. Pour l'instant, on la blesse. Je fais des sauvegardes au cas où. Pas de maladie. Vénérienne, poison, les grosses conneries, le petit critique qui passe. Les esquives. Pour l'instant, ça va. Tout va bien. J'aurais pu passer par ça. Je pense que l'on a plusieurs chemins. Mais je vais pas m'attarder sur, sur ce chemin, je vais pas le compléter. Celui-là, faut qu'on avance un petit peu, vous me direz. Oh là là, le point de vie, est-ce que je vais résister au point de vie? Oh là là. Ah, c'est le pari. Le pari, le critique qui passe, ça prend 150 d'XP de Dallan. Je prends la baguette. Eh bien, parfait. Donc, nous va se reposer. On va se reposer. Alors, je vois qu'il y a deux chemins. Ouais. J'aurais pu, c'est vrai, j'aurais pu. Défi de Mutami niveau 1. Ah là là. Ah là là. On va s'ambiancer donc, on s'enfonce le niveau 2. Alors, ah d'accord, donc je viens de là et si j'avais pris à côté, je serais ici. Donc c'est là que les pièges vont sans doute être. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bordel! Non. Ah oui. Ah oui. Bon. Ça tape fort. Ah, j'ai mal. Bon, le level up, il est bientôt 300 points d'XP. Ah, j'ai mal. J'ai tellement mal. J'ai pris cher dans ma gueule là avec ce petit 16. Magnifique. Mais le level up sera pour cette session. Là, j'en suis sûr, parce que si on recroise ne serait-ce qu'un Minotaur 33. Non. Si on recroise une reine araignée, je pense que le level up est donné. Alors, j'essaie de voir un petit peu où on est. Ah, pas bouger d'un. Je sais que ton sens aigu de la justice te dit qu'il faut... il y a un autre Minotaur. Oui, bah... Ah là là, il avance. J'arrive. On le fait pas tout seul, on va avoir des problèmes. Alors, le Minotaur, c'est juste du bourrinage et n'est pas beaucoup de puissance de PV. Voilà, là je me suis pris 22 de dégâts. Donc là, ça a l'air d'être un chemin. Ici, ça a l'air de rejoindre par là. On dirait qu'il faut continuer par là. Là, il y a une salle. Et cette salle m'intrigue. Donc, on va y aller. J'ai entendu à pied. Voilà, un autre Minotaur. Ah, là, il y a une porte. Donc là, c'est intéressant. Qui dit porte dit salle. Et qui dit salle dit peut-être beaucoup de monstres, mais aussi, pourquoi pas, un peu de loot. Ah. Ah, c'est pas mal, ça. Donc non, c'est un vrai labyrinthe. Bah, là, on a un... Ah non, c'est du vide, d'accord. Donc ouais, il faut que je fasse tout le tour. Je récupère quand même le tas de pierres, sérieusement. Avec un morceau de quartz et un saphir. Je vais prendre le saphir et non le quartz, parce que j'en ai quand même bien assez du quartz. Je vais mâcher les... Qu'est-ce que... Sac de butin? Putain, je l'avais pas vu. 29 pièces. Ouais. Là, je sens non seulement un petit monstre salaud, ou un Minotaur, mais surtout j'ai peur pour les pièges, parce que même si j'ai une bonne compétence dans le repère des pièges, ça ne s'applique pas toujours quand je voudrais. Bon, Dallan, 3-4, go. Dallan, quand tu veux. Voilà, parce que
T'es bien gentil, mais après on va se reposer un coup. On va se reposer un coup. On se rapproche. 119 points d'XP et c'est gagné. Ah, c'est lui qui les lâche, les sacs de butin. Oh, un insecte en cristal. Cette statue de cristal représente un soin de créateur insectoïde aux pattes écartées et aux ailes éboulées. Peut-être est-ce l'objet qu'il faut pour mieux bien le défi de Mitami. Oh. Alors, j'avoue que... je vais m'en poser. J'avoue que si à l'époque, j'étais passé par là, bien que je ne savais pas, ça aurait pu me donner un indice et je n'aurais pas trouvé ça et je serais perdu. Voilà. Mais là, c'est bien. Donc, une araignée en cristal. Est-ce que c'est un indice pour l'énigme ou bien... Oh, la sortie. Un petit donjon, j'ai envie de dire. Alors, petit point sur la musique. Un peu... Oh, encore un marteau. Ah, parfait. Ça, c'est une bonne nouvelle. La compétence vient de s'activer, donc on va le désamorcer le piège. En même temps, c'était le couloir final. Donc ouais, c'était ça, elle mène bien celle-là. Oui, donc c'était ça. Avançons prudemment. Minotaur, encore une fois. Ah, pendant 2 secondes, il y a plus. Qu'est-ce que j'ai... Oui, la musique avait une sonorité un petit peu... comment dit-on ? Cathédrale. De cathédrale. Voilà, cathédresque. Oh, pas mal le mot. Cathédresque. Un autre minotaure. Alors, en soi, j'avoue que le donjon, je suis un peu déçu. Un niveau à 2 étages. Avec un premier. Avec. Le premier étage était sérieux. Il était bien sérieux comme il faut. Où là, il y avait un peu de challenge avec ces putains d'araignées. Qui peuvent. Bon. J'ai déclenché un piège. Je crois que c'était un piège de type poison. On se sortit. Là, on a des caisses et des caisses. Une caisse pour piéger, une caisse pour piéger. Une potion, je prends. Une autre potion, il faudrait que je les utilise, un genre de potion. Ah, un autre cadavre. Et... On ne saura jamais qui c'est. Ah, et là, il y a un gros coffre. Là, ce deuxième étage est d'une simplicité. Il n'est pas dur. Peut-être l'énigme, et en soi, va me détester. Ah mon dieu, on a un chef minotaure, donc voilà. Ah, j'aime bien, je me suis décalé, et pef. Donc là, peut-être gros monstre. Ou la petite esquive en sautant. Un petit sort. Est-ce que c'est de l'armure? Ça là. Ouh là, double coup, j'ai vu. Il y a un double coup qui est passé. Une attaque sur vu que je suis dans son dos, là. Parfait, 36. Est-ce que ce monstre est nul? Est-ce que ce monstre va mourir? Oh, il est mort. Et Damien s'est pris un dommage. Mais le level up. Le level up, ce qu'on attendait. Oh. Petite topaz. Je pense que topaz optionnel. Je vais quand même ouvrir le... Oh. Oh. Ah, je ne peux... Ah, non identifiable. Dans ce cas, je vais le mettre dans mon sac sans fond. Voilà. Je le ferai examiner. C'est pas mal. Et là, j'ai des carreaux perforants que je revendrai. Pas mal, pas mal, pas mal. Il reste quoi d'autre? Il reste ces 2 petites barriques. Alors là, on a un minotaure que je ne ferai pas parce que... J'ai battu un chef minotaure, j'ai quasiment 0 dégâts. Mais, avant de passer la porte, sauvegarde et le level up. Alors, évidemment, roublard. Ah, je peux enfin augmenter une caractéristique. J'avais l'intelligence, j'ai 9, donc ça ne me sert pas, c'est pour ce qui est magie. Sauf que, voilà, score d'intelligence faire 9 signifie que je suis capable de s'exprimer normalement. Donc là, normalement, je peux y arriver. La sagesse ne me sert à rien, le charisme j'ai déjà plus 1. La constitution, j'en ai assez pour le moment, je pense, et puis elle augmente toute seule. Je ne sais pas d'ailleurs de combien elle augmente à chaque fois. Ah, ça me mettra plus 3. La dextérité, ça me servira. La force, par contre, je pense peut-être mettre un point de force pour porter plus de choses. Donc, je vais mettre un point dans la force.
Et ensuite, dans les points habituels de caractère de compétence, on va mettre évidemment dans le désamorçage, la discrétion, le savoir, le crochetage, le déplacement silencieux, que je n'utilise quasiment pas. Et il me reste 3 points. 3 points que je vais mettre dans la. Ah, je vais mettre un point dans la détection. On ne sait jamais, ça peut être utile. D'ailleurs, ça me sert un peu. Le vol à la tire, je ne l'ai jamais utilisé. Un point dans la fouille et le dernier qui se passera dans les premiers secours. Ok. Et un don. Un don, un don, un don. Alors, volonté de faire. La forte présence d'esprit de personnage confère un bonus de plus 2 à tout jet de volonté. Pourquoi pas? Vigueur surhumaine. Un personnage maîtrisant ce ton et restant anormal gagne un bonus de plus 2 à tout jet de vigueur. Ça, je pense que. Oui, c'est pour ça. Ça ne sert à rien. Talent. Capacité d'utiliser compétence fonctionnement. Un personnage maîtrisant ce ton est complètement adroit dans une compétence donnée gagne un bonus de plus 3 à tous ses jets le concernant. Ok. Souplesse du serpent. Ah, ça me paraît bien. Dextérité plus 13 esquive. Un personnage maîtrisant ce don a la possibilité de. Qu'un bonus d'esquive de plus 4. Alors, ça pourrait être cool. Science du critique. Oula. Maîtrise d'arme de choix, bonus de base, compétence double. La chance d'effectuer un critique. Une épée donc peut effectuer un critique sur un jet de 19-20 pour obtenir le même résultat que sur un jet de 17-20. Pas mal. Science du combat manu. Réflexe surhumain. Donc plus 2 au jet de réflexe. Ah, un personnage dans ce don est plus résistant que la moyenne, il gagne un point de vie de plus par niveau. Des points de vie sont gagnés de façon rétroactive en choisissant ce don. Ça pourrait être pas mal. Alors, ce qui pourrait être pas mal aussi, c'est le port d'armure intermédiaire. Ça pourrait être bien. Maniement de bouclier, ça me sert à rien, mais ça semble quoi ajuster. Non. Combat à deux armes. Pas mal. Pas de secrète. Non. Attaque en puissance. Ouais, arme de prédilection. Ah, pas mal ça. Spécialisation martiale, guerrier uniquement. Ah non. Ambidextrie. Les rôdeurs, non. Non, je suis hésitant. Entre réflexe et robustesse. Je vais prendre robustesse. Donc là, 10 points de vie. Donc ça fait un point de vie par niveau. Une augmentation dans toutes mes caractéristiques. Et donc normalement, je peux transporter 6 de plus. 6 de plus. Et ça, c'est bien. En plus, dans la force, comme j'utilise une épée, ça me permet de mettre plus de coups. Et bah, c'est bien. Voilà, moi je trouve que c'est bien, on sauvegarde et on y va.